Allez, on va s'échauffer un petit peu. Alors, je vous partage le son de mon ordi. Allez, go. The doctor said my sight is 20/20. So did I really just waste a lot of money? Since my eyes tells perfectly clear, how the hell did I not see? You were my blind spot till I got to know your time's up. Now I'm gonna show you what happens when you mess with me. I'm gonna count to one, two, three, and then you're dead to me. Yeah, you're history. Now that I finally see, you're nothing but a blind spot. Like you had me under a spell, but just in time, yeah, I could tell. You were my blind spot till I got to know your time's up. Now I'm gonna show you what happens when you mess with me. I'm gonna count to one, two, three, and then you're Super. Impeccable. Allez. On va commencer par un peu de cardio. Donc, je vais relever un peu. On va partir. Bras écartés et on va aller boxer sur le côté en revenant vraiment chaque fois de face. Cinq fois d'un côté, non, quatre fois d'un côté et quatre fois de l'autre. OK? Ensuite, quelques jumping jacks. Vous allez voir. Et puis, on va aller chercher la main, le pied opposé. Donc, on va aller taper quelques fois l'autre côté. Petit pas, squat. OK? Vous allez voir, on va enchaîner sur la musique. On va faire plusieurs fois ces exercices. OK? C'est bon pour tout le monde? Allez, let's go. Tankale, honka shilale, wo hiti kale, ho yate. Nage tankale, tonka shilale, haki sitale, ho yate. We are wakana, ne hippi we are nakase jine, ho yate. Hey, 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 ah, hey, ah, hey, ah, ho. Waka tankale, waka tankale, waka tankale, waka tankale. We are wakana, we are wakana, we are wakana, we are wakana, ho yate. Shilada wo hiti kare hoyate, nage tankare tonka shilada hake sitare hoyate. Uya wakana ne hibi uya nakase jine hoyate. Hey 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 h
Super. Ça va? Pas trop essoufflé? Génial, buvez bien. N'oubliez pas de bien boire, c'est important. Voilà. Prochain exercice, jambes. Vous allez voir. Hop. On va faire des fentes sautées. C'est-à-dire que, enfin, chacun fait comme il peut, hein. Soit vous descendez et vous remontez pour changer. Mais si vous y arrivez, on saute. OK? Faites comme vous pouvez, en fonction de votre état de physique et de pratique. Ensuite, squat et on écarte les jambes. OK? Toujours en position squat. Ensuite, jambes un peu écartées. On va aller lever sur la pointe des pieds. OK? Contractez bien les fesses pour rester droit et on fait chauffer les mollets. Et dernier exercice, squat et on va aller avancer. OK? Voilà. Vous allez voir. On va enchaîner. Donc, on fait 10 fentes sautées, donc 5 de chaque jambe. Et après, squat écarté, montez les pieds, squat pied devant, on remonte les pieds et on fait des fentes. Et ainsi de suite. OK? Sur toute la chanson. Allez, c'est parti. Como é que é, pessoal? Quero ver toda a gente com as mãos para cima. Vai! Todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita. Todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita. Todo mundo, vamos! Todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita. Todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita. Como é que é? Agora é só para elas. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Ela mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Chapito, mostra pra ela. Vai! Eu já sei que ela tá querendo. Tá me olhando e já tá deixando. Então deixe só devagar. Não precisa mais de parar. Faz gostoso pra me pegar. Tô no poda, vou festejar. Ela veio me provocar. E não para de me tocar. Ela é safada, ela é maluca. Ela se ducha com toque na boca. Eu resisti, mas ela dá volta. Cuidado com ela. Eu tô na moda. 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 Ai 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 ai. Eu tô na moda. Ai 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 ai. Vai! Todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita. Todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita. Vai! Todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita. Todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita. Como é que é? Agora é só para elas. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Ela mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Chapito, mostra pra elas. Vai! Ela deixou devagarinho. Me apertou e deu um beijinho. Eu tô louco e não é pouquinho. Tem cuidado, não sou santinho. Faz gostoso pra me pegar. Tô no poda, vou festejar. Ela veio me provocar. E não para de me tocar. Ela é safada, ela é maluca. Ela se ducha com toque na boca. Eu resisti, mas ela dá volta. Cuidado com ela. Vai! Eu tô na moda. 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 Ai 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 ai. Eu tô na moda. Ai 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 ai. Vai! Super!
bien. Martha, est-ce que tu arriverais à partager un petit peu, toi, ton résultat de ces quelques heures, quelques semaines déjà avant moi? Oui, merci. Alors, je m'appelle Martha, j'ai 47 ans, je suis maman d'une fille de 17 ans et c'est à cause d'elle que j'ai fait partie de l'équipe de la famille Herbalife. Et depuis le mois de décembre, elle a déjà perdu 16 kilos. Moi, j'ai commencé sérieusement à consommer les produits depuis le début de ce Fit Game et mes résultats, bah, en 10 jours, j'ai quand même réussi à perdre presque 1 kilo. Et 15 cm de taille. Donc, pour moi, c'est énorme. Et je sens vraiment plein de force, plein d'énergie. Et je suis très heureuse, je suis très contente et j'espère que ça continue comme ça. Je vois des résultats, donc c'est bon. Bravo, super. Bravo, Martha. Hop. Alors, pour le prochain exercice, vous prenez soit une chaise, soit un petit rebord si vous avez un bord de lit, un banc, quelque chose. Sinon, on peut faire par terre, mais l'idéal, effectivement, c'est d'avoir un petit rebord où vous pouvez vous tenir. Et on va faire les bras. On va faire des dips. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir sur le bord de votre bord, vous allez mettre vos mains et vous allez placer les fesses dans le vide. D'accord? Les jambes vraiment en haut des 90 degrés. Et vous allez descendre uniquement les bras. D'accord? Je ne veux pas voir. Voilà, c'est vraiment le corps reste comme il faut. Vous descendez les bras. Vous descendez le plus bas que vous pouvez en fonction de votre capacité physique, il n'y a pas de souci. On en fait 15, d'accord? Ensuite, on se met dans l'autre sens et on fait des pompes, ok? On en fait 10. Ensuite, on fait une petite pause. On en refait 15, dips et 10 pompes, ok? Eh ben allez, plus qu'à. Call it swagger, call it pure dedication. We're showing up while they're taking vacation. If you wanna set the record, you better get it together. Cause the trophy's like gold and we looking for treasure. Throw your fist in the air if you're feeling it. Let it scream out your lungs and know you're feeling it.
Génial. Bravo. Ça va, ça chauffe pas trop? Pas trop mal? Au top. Voilà. Je ne me suis pas présentée. C'est vrai, au début, il y a des têtes que je ne connais pas. Effectivement, habituellement, il y a toujours des têtes que je... Enfin, tout le monde que je connais, mais là, je ne connais pas tout le monde. Donc, moi, c'est Anaë. J'ai 32 ans. Je suis maman de deux enfants rapprochés de 1 an et demi et tout juste de 3 ans. Et en fait, moi, ça fait un peu plus d'un an que je connais les produits Herbalife. J'ai pris les produits suite à ma deuxième grossesse où j'avais du mal à perdre un peu mes kilos. Puis ça faisait quelques années que j'avais un peu changé mon alimentation avec mon mari, forcément, qui, bah, voilà, qui lui est en prise de masse. Donc je mangeais plus que ce que je mangeais avant. Et voilà, j'avais accumulé quelques kilos que je n'arrivais pas à perdre. Donc je me suis dit, bon, bah, faut que je fasse quelque chose. J'ai rencontré Herbalife un peu sur voilà, un coup de chance comme ça. Et puis j'ai fait un programme perte de poids. Donc j'ai changé mon petit déjeuner, j'ai changé mon hydratation et j'ai changé mon dîner du soir, que j'ai remplacé aussi par un shake, une soupe en l'occurrence. Et en 4 mois, c'était 12 kilos perdus. Et puis j'ai repris là depuis, enfin au bout de 6 mois, j'avais repris 3 kilos de masse musculaire. Et depuis là, je stabilise mon poids depuis 1 an. J'ai pas repris, j'ai pas reperdu parce que bah, c'est pas mon objectif non plus. Et puis c'est vrai qu'en adoptant la philosophie 80% nutrition, 20% sport, bah, comme ça, je suis en pleine forme tout le temps. Je peux manger ce que je veux à côté. Le petit déjeuner Herbalife me permet de vraiment réguler mon poids. Et puis ça, c'est un vrai régal tous les matins de toute façon. Voilà, ça c'est pour moi. Alors, on va continuer avec les fesses. On va faire debout pour 2 premiers exercices et puis on va se mettre au sol pour le troisième. Donc, je vais vous montrer, on va faire des battements, mais debout. Hop. Alors, j'ai debout, légèrement le corps en avant. Les jambes, enfin, les genoux peuvent être légèrement fléchis si vous avez mal au dos, vous n'hésitez pas. Et là, on va aller faire des battements sur le côté. D'accord? On va faire une quinzaine de battements d'un côté, une quinzaine de battements de l'autre. Et on va aller faire une quinzaine de battements derrière, une quinzaine de battements. On fait ça deux fois le tout. Et après, on se mettra au sol. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà préparer votre tapis à côté. Et on va faire Superman. Donc, on s'allonge, les bras devant, et là, on contracte les fesses, on contracte le dos et on vient lever. OK? Et on reste statique une dizaine de secondes et on descend. Et on remonte et on descend. Et on essaie de faire ça 5 fois. OK? Et bien, allez. Deux. Standing in the street, the sun is in the east.
Génial. Bravo. Ah, c'est top. Allez, on finit avec les abdos. On aura fait vraiment tout le corps. Donc, on reste au sol. Hop. Alors, on va faire trois exercices. Premier exercice, vraiment au sol. Jambes écartées de la largeur de votre tapis à peu près. On s'allonge, on met les mains sur la poitrine et on fait des demi-crunch. C'est-à-dire qu'on va seulement lever la moitié du doigt des omoplates un peu en bas jusqu'à ce que ça contracte vraiment au niveau de la sangle abdominale. Et on redescend. On ne cherche pas à monter trop haut, on n'habille pas le périnée, ça ne sert à rien. Vraiment, on contracte et on relâche. On contracte et on relâche. OK? On en fait 15. Ensuite, on se lèvera, pieds idéalement en l'air. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, vous les posez, hein, il n'y a pas de souci. Et là, on va aller chercher justement coude, genou opposé. On va aller faire des rotations pour travailler un peu les obliques. Voilà. On va faire une dizaine de chaque côté, donc une vingtaine en tout de mouvements. Et puis on s'arrête. On peut faire une petite pause. On pose les jambes. Puis au bout de 10 secondes, on les relève. Et là, on tend et on revient. On tend et on revient. Et on fait ça 8 fois. OK? On verra si on a le temps de faire quelques crunchs après. Mais c'est déjà pas mal. Donc 15 crunchs, 20, 8. OK? Allez, on est parti. Soldier of fortune, gotta walk through a fire for what's important. And the warrior's blood through your veins is coursing. Kill for hire, soldier of fortune. The whole world's watching every move. Take your shot, don't act a fool. All you got and all you ever need is one bullet. In the chamber, release and take your aim, boy. Ain't nobody gonna save you. So what you gonna do? One bullet in the chamber, release and take your aim, boy. Ain't nobody gonna save you. So what you gonna do? Do or die, you're a mercenary. The kind that you're burning to carry. Go and make them proud, it was necessary. Oh no, to our die, you're a mercenary. Now the whole world's watching every move. Take your shot, don't act a fool. All you got and all you ever need is one bullet in the chamber. Release to take your aim, boy. Take your aim, boy. Ain't nobody gonna save you. So watch it.
Bravo! Super! Bien joué! Bravo à tous, parce que c'est pas forcément facile, ça fait bien retravailler les abdos, c'est des genres d'exercices. Vous êtes débrouillés comme des champions. Allez, on va s'étirer un petit peu pour finir cette séance. We're drowning in our lives. Don't know what we'll find. Not sure, should we fly or fight this? We're terrified. Pretending not, but we don't care. Attention cuts, cuts the air. We're more than scared. I'm drowning in your eyes. I'm terrified. Till I can face them, letting my tears go. Till I can taste them. How do I know where you went back all time? And I hope you come back home. Come back home. It's hard to sleep at night when it's do or die. While our world spins round and round. Je vous souhaite une excellente journée. Buvez bien tout au long de la journée. Vraiment, tous les jours où on fait du sport, il faut qu'on soit de presque 2 litres d'eau par jour. Hein. Donc ça, n'hésitez pas. Un grand verre d'eau avant chaque repas. Votre gourde, vous la finissez. Et vous n'hésitez pas si vous sentez que vous avez des petites tensions à refaire des étirements au fur et à mesure de la journée. Et puis voilà, je vous souhaite une super journée. Très bon challenge. Bonne fin de semaine à tous. Et puis à très vite. Ciao, ciao. Merci, bonne journée à toi aussi. Bonne journée, merci Martha.